Alors vous avez vu ma jolie photo? Vous avez envie de faire cette recette? Alors c'est parti pour un nouvel atelier, comment faire un tiramisu pour Shavuot ou même après, hein. Moi personnellement je l'adore, je le fais dans l'année. Alors pas plus simple que le tiramisu. Donc il vous faut, voici la recette. Il va vous falloir 2 paquets de boudoir. Voilà. Il va vous falloir 6 œufs. On va séparer les blancs et les jaunes. Il va vous falloir 200 g de sucre, 2 sachets de sucre vanille, 500 g de mascarpone. Il va vous falloir du cacao amer pour le dessus et pour le trempage des biscuits, 50 cl de café fort, c'est-à-dire 50 cl d'eau plus 3 cuillères à soupe de café. Vous pouvez mettre, pour remplacer l'amaretto car il n'est pas cachère, un petit bouchon, à peine un petit peu de rhum pour donner ce petit côté alcoolisé au gâteau ou pas du tout. Moi là, j'ai rien mis. Donc maintenant, c'est parti pour la recette. Là, j'ai mes 500 g de mascarpone. D'accord? Je vais commencer par séparer les blancs des jaunes. Je vais battre mes blancs avec 100 g de sucre et je vais battre les jaunes avec les 100 g de sucre qui reste. Je bats les deux préparations et je reviens. Alors voilà, j'ai battu mes jaunes avec mes 100 g de sucre. Le mélange du coup a doublé et est devenu très aérien. J'ai fait mes blancs en neige avec les 100 g de sucre. Mes deux préparations sont faites. Je vais à présent prendre mes boudoirs, les tremper dans mon café. Alors laissez le liquide tomber, le surplus, et les étaler au fond de mon moule. Vous prenez le moule qu'il vous faut, comment on appelle ça, le moule à cake, un moule rectangle, un moule rond, ou même le moule à charlotte. Moi, je vais prendre un moule rond parce que j'ai plus rien. Voilà, vive le confinement. Je vais prendre le bol, étaler mon fond et je reviens. Alors voilà. J'ai mis les biscuits trempés dans du café au fond de mon moule. Je vais faire 2 couches de biscuits parce que je pense que c'est plus sympathique. J'ai mon mascarpone à l'intérieur, mes 500 g. C'est du fromage qui est compact, hein, c'est normal. Maintenant, je vais mettre ma préparation des jaunes qu'on a battu avec le sucre et on rajoute les 2 sachets de vanille. Avec une marise. Même peut-être... Je vais avoir besoin de mon fouet. Voilà, on va bien mélanger. Hein. Allez, on y va. Faut des bras. Voilà, vive Shavuot et les belles préparations lactées. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi à Shavuot on mange du lait? Parce que tout simplement, quand on a reçu la Torah, on venait juste de la recevoir. On venait juste de nous apprendre qu'il fallait manger kasher. Du coup, on ne savait pas encore trop bien faire. Et on n'avait pas ce qu'il fallait. Par contre, on était sûr qu'en mangeant ce qu'on avait en laitage, on n'allait pas faire de faute. Donc, on se fait une grande joie, un souvenir de perpétuer cette magnifique fête. Il est là-bas, ma chérie. Non, oui, merci. Ok, c'est à force. Maintenant, j'ai mélangé, mais voilà, un petit coup de fouet. Allez, on y va, c'est du sport. Hein. Voilà, ça y est, notre préparation est prête. Maintenant, on ajoute les blancs en neige. J'adore le tiramisu. Voilà, je mets tout moi. Hop, et on va mélanger délicatement avec la marise. Il fait hyper chaud maintenant. Thank you.
c'est parti. On mélange délicatement pour pas casser les blancs en neige. On monte, on descend. Les blancs en neige, il faut bien les battre au moins 10 minutes. Je l'ai dit dans la vidéo aussi pour le cheesecake. On commence à la vitesse minimum pour finir à la vitesse au fur et à mesure au maximum. Et vraiment, on les bat longtemps. Voilà. On monte, on descend. Avec sa petite Maryse. Voilà. La préparation est faite. Maintenant, je vais déposer une couche de la préparation sur les biscuits. Voilà, j'étale à peu près sans écraser trop. Hop, je garde. Et maintenant, je prends mes petits boudoirs que je trempe dans mon café et je vais faire une deuxième couche de biscuits. Je fais la deuxième couche et on repart. Voilà, la deuxième couche est faite et c'est reparti. On remet une bonne petite couche de crème. Et voilà, moi il m'en reste un petit peu personnellement. Soit vous mettez beaucoup beaucoup de crème, soit je vais en faire un deuxième petit. Parce que nous, grâce à Dieu, on aime beaucoup ça. Donc là, j'ai mon gâteau. Maintenant, je prends le cacao amer. Alors ce qui est bien, c'est de le tamiser avec un petit appareil comme ceci ou avec un autre tamis plus grand pour la farine. Et on en met une couche généreuse. Alors, je mets mon petit cacao dans ma saupoudre et je viens. Wow. On est généreux, hein. On en met plein parce que c'est très agréable de sentir le chocolat avec le mascarpone de la crème. Wow. C'est qui va se régaler. C'est nous. Alors, on en met bien. Et on va le mettre au frais, surtout, toute la nuit. On essuie bien les bordures. Et voilà. Voilà mon petit tiramisu. J'espère que la recette vous a plu. J'attends vos photos. Et j'espère que surtout, voilà, vous passerez de merveilleuses fêtes en famille. Donc, Raksa Mehar.